Il est incontrôlable ce véhicule. Boum boum boum. À la fin de cette vidéo, si elle t'a plu, tu peux liker et pourquoi pas t'abonner. Yo tout le monde, c'est Krone et bienvenue sur Spinty pour une petite map fun avec ce petit véhicule qui s'appelle le Maverick. Donc c'est un genre de buggy qui est plutôt très puissant. Il est terrible. Alors est-ce qu'on va réussir à monter et à sauter des choses? Bah ça on va le voir parce que franchement cette map elle est pas facile non plus hein. On va se mettre en 4 roues motrices. On va déjà essayer de faire un truc, c'est monter ici si j'y arrive avec ça. Le problème c'est que ça glisse, hein. C'est toujours le problème là, c'est que ça glisse. Alors c'est mal parti. Il est incontrôlable ce véhicule. Oh, 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 oh putain, et celui-là si, celui-là il a bien sauté. Sauter ça aussi. Bam. Pas mal, pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ouais, un peu light là. On va essayer de prendre celui-là là, le gros là. Allez, boum. Bam. Ah si, c'est bon. Par contre, si on rentre là-dedans, c'est fini, on sort plus. Merde. On va sauter, on va essayer de sauter la grande rampe à côté. Alors on va s'aligner, allez c'est parti. Alors là je crois qu'il est vraiment mort. Celui-là il est vraiment mort. On va changer. Allez c'est parti. Allez, oh, c'est profond là-dedans. C'est bon, c'est foutu. On va voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. D'accord, donc faudrait en fait arriver à bloquer, sauter et... Ouf. Ah, c'est pas possible, pas avec celui-là, c'est pas possible. C'est parti. On va enlever le frein à main. Ah bah on n'est pas allé très très loin effectivement. On va essayer de sortir avant de... Ah bah c'est trop tard. Ok bon. Bah moi j'ai foutu en l'air mon véhicule. Je ne pourrais plus rien faire. Il y a de quoi s'amuser là-dessus. Le problème c'est que la physique du jeu ne le permet pas. Puisque les véhicules ne font que glisser à gauche et à droite. C'est un peu dommage. Parce que franchement il y a de quoi faire sur cette map. Avec les beaux sauts qu'il y a là à faire. C'est dommage, mais bon, c'est fun. Le mieux là, c'est de prendre un 4x4 parce que celui-là, il a pas assez de puissance ni de couple pour vous propulser. Mais il y a des 4x4 qui sont assez puissants pour sauter là. Il faudrait tester ça. Donc, moi je vous laisse là-dessus et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.